Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le 51e, je crois, épisode de mon Let's Play sur le jeu Mount & Blade Warband saison 2. On arrive à la fin, on arrive à la fin très clairement. On est à 98 hommes possibles, sachant qu'il nous en faut 100 pour valider cette saison. On y est presque, il manque plus grand chose en fait, il manque quasiment rien. Mais ce qui manque en fait, c'est de la réputation. C'est de la réputation. Et pour ce faire, bah, il faut tataner des gens du même niveau, voire plus que soi. Il faut faire des tournois, il faut monter de niveau. Tout ça, tout ça. Donc, ça, on s'en fiche. Donc, c'était à taverne. Voir si je peux pas rançonner des gens-gens. Non, que des voyageurs. Alors, attendez. Parce que là, où est-ce qu'il faut que j'aille? Je suis à 78, ce qu'il faudrait, c'est que je récupère des unités. On est toujours en guerre contre le Kharghit Khanat. Tac, on récupère des recrues. Ok, 3000 et des patates, c'est bien. C'est moins que la première fois, mais je sais pas pourquoi, il y en a moins. Voilà. Alors, il y a des tonnes de bandits des forêts. On a combien? 96? 96, c'est très très bien tout ça. Passer du côté de Chid. Peut-être sa mèche s'est pillée comme d'habitude. Je crois que j'ai jamais vu pas piller ce village. Alors, château de Nuzak a été assiégé par contre Roland du royaume des Rodoks. C'est où le château de Nuzak? Ah, c'est là! On va peut-être aller voir ce qui se passe. Étant donné qu'ils mettent 20 plombes avant d'assiéger un château, on a peut-être le temps d'y aller. En plus, on a genre énormément d'unités. Château de Dershow, 50 talbar. Alors attendez. Ah oui, 123, ça fait quand même beaucoup. Merde! "97 contre 142. Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Une renommée associée qui est assez élevée. Le problème, c'est que là, c'est vraiment des unités à cheval et je déteste ces unités à cheval, quoi. Oh la merde! J'aurais pas dû avancer. Non. Bon. Moins un. Ok, voilà, c'est évidemment pour ça. Oula. 124 points de dégâts au cheval. D'accord, je sais pas comment j'ai fait pour lui faire autant de dégâts. Voilà. Aïe, 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 c'est sûr qu'ils ont énormément d'unités et pas nous, quoi. Comment ils ont fait pour me toucher? Après, un avantage certain, c'est que ça leur fait un truc hyper bordélique, tandis que nous, on est bien en ligne. Donc, bon. Ils arrivent pas à attaquer forcément tout de suite. Attendez, il y a des unités à pied? Dans ce cas-là, ça peut changer des trucs. S'il y a des unités à pied, ça change quelques petits trucs. Ah, attendez, ah c'est le bordel, c'est vraiment le bordel. Faudrait que j'en tue plus que eux, ils ne me tuent, c'est sûr. Oh, j'ai pété son bouclier. Alors, pour l'instant, ça a l'air d'aller. 5 morts, en face ils en ont 16, donc 3 fois plus. C'est plutôt pas mal en fait. Ah oh, bien là, mais quel abruti quoi. Voilà. Ok, d'accord. Mais te fous pas là, le cheval. Il est là, peinard, sur un champ de bataille. En mode j'en ai rien à foutre.
Ok, nouveaux ennemis sont arrivés, c'est pas bon pour moi. Mais en même temps, ça a l'air d'aller. C'est pas si dur que ça en fait. Attendez, je vais les empêcher de venir. Voilà, il y a quelques unités à pied là-bas. On va se les faire, histoire de libérer un peu à la place. Ah, d'accord, toutes les autres unités reviennent. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on en élimine quand même. Et que je suis encore debout. Ah, par contre, il m'a gêné celui de droite là. Toc. 6 contre 35, c'est très très bien tout ça. Tout ça, c'est très 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 bien. Bon, nouveaux ennemis sont arrivés. Eh merde. Raté. Sauf que là, il y a l'air d'avoir pas mal encore d'unités à cheval. Et même que ça d'ailleurs. Oh yolo. Ah la lance. Je l'ai vu arriver mais je me suis pris la lance quoi. 80 points de dégâts. Et merde. 8 tués en phase 44. 86 contre 98. Bon. Alors attendez. 87 contre 98. Ça va être chaud, ça va être très très chaud, mais c'est possible. Coucou. Raté. Ah oui, d'accord. Je préférais l'autre map, elle était plate. Oh, que je déteste ces unités à cheval, c'est complètement pété. Ça fait une deuxième barre de vie pour un cheval. Enfin, quand on a un cheval, on a une deuxième barre de vie. C'est presque ça. Hein. Ah ! Bon abruti ! Vous savez pas conduire. Reviens là ! Ok. Ils ont l'air de se débrouiller là-haut. Mais il est nul. Oh la vache. C'est vraiment très très nul. Ah. Ouf. Je crois que je l'ai fait tomber de son cheval. Bon, vous me saoulez les archers à cheval là. Mais allez voir ailleurs. Je peux pas prendre énormément de dégâts. Oh yolo, il y a du monde. Ah. Alors, en face 12 contre 29. 19, 8. 11, 6. On se barre. Mais oh! Oh la vache.
Groupe pervers en morale. Je sais que le groupe pervers en morale. Bon, maintenant, faut se tirer vite. Mais t'étais dans la bataille! Mais t'es chiant! Évidemment que le groupe pervers en morale, mais. T'étais dans la bataille avec moi. Tu m'emmerdes? Oui, ben, troupé vétéran Saranide a déserté, forcément. Là, ça a été la galère. Parce que là, on est à combien? Morale du groupe qui est à 16, quoi. C'est ridicule. Oui, bah c'est bon. Là, ça a été un foutoir sans nom. Oh la vache. J'ai perdu toutes mes unités. Heureusement que c'était pas ma méga troupe que j'ai laissée à Getter. Ok. Que j'ai laissée à la grande ville. Est-ce que ça augmente la. Non, ça augmente pas le moral. Bon. Marchande bien, ça augmente le moral, ça. Ça, c'est sûr. Bon, c'est pas comme ça que ma réputation va augmenter. On refait des troupes. 29 contre 20. C'est des bandits, vous allez y arriver quand même. Devriez y arriver. Ah, j'ai tellement mal géré mon truc, je pensais qu'on allait finir la saison dans cet épisode, mais là, tomber sur ses ennemis, ça m'a. Ça m'a bien saoulé. Puis la lance couchée là au premier coup, alors que j'étais bien. J'étais peinard. Arrêtez de tirailler! Ça fait super mal vos trucs. Mais lâchez-moi! Regarde là. Allez, la baston, le fermier contre le. Voilà. Bon. Ça a augmenté un peu le moral, j'espère. Un petit peu. Ça augmente un petit peu le moral. Pas beaucoup, mais ça l'augmente un petit peu. Allez, direction Fenner. Ah oui, là il y en a beaucoup. Là il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Promotion d'abord. Cavalier Saranide. Cavalier Kargit. J'ai du monde, j'ai vraiment beaucoup de monde. Ok, là ça risque d'être une grosse, grosse baston, mais si ça passe. Ah mais non, mais les déserteurs, vous allez vous faire voir. Hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Si je quitte, je vais me faire choper. Bon, bah allons-y, hein. 37 soldats contre 108. Ah ouais. Ah ouais, ça va être chaud. Bon, si ça passe, ça va être bien. Ça va remonter mon moral, ça va tout remonter d'ailleurs. Et ça a intérêt à passer, j'ai envie de dire.
Allez, ça y est, ils se mettent à tirailler. Et bizarrement, ils n'arrêtent pas de me toucher. Alors, faut au moins que je les descende un peu. Oh! Non mais c'est bon. J'arrête pas de me faire avoir parce que c'est... D'accord, Firintis a été assommé par un bandit. Ils sont vraiment tellement nuls, mes persos. Bon, là, ça passe. Faut pas trop que je joue avec le feu, quand même. On est à combien? Chargé. De nouveaux ennemis sont arrivés. Je vais les occuper. Ils sont vraiment beaucoup là quand même. Qui vont se faire buter parce qu'ils sont au milieu des ennemis. Ah. Non mais pousse-toi. Prends à conduire. Ah là là. Ok, j'arrive même pas à taper. C'est la loose. Oula, 30 secondes. Toc, me revoilà, désolé, c'était la poste qui sonnait chez moi. Voilà. Ok, nouveaux ennemis sont arrivés. On va se les faire. Sauf si je me rate. Deux fois. D'affilée. Trois fois. Bon, quand même. Au bout de la quatrième fois, je puisse y arriver. Ah là là. Non, raté. J'arrête pas de rater, c'est pas bien. Après une belle grosse baston comme ça, on va avoir le droit à une grosse remontée de morale. Reste lui. Allez, la remontée de morale, a intérêt à se faire. Voilà, 10 en morale, boum, et renommée augmentée de 12. Ah oui, 12 quand même. 28 contre 30, allons-y. On va y aller avec ça, c'est très bien. Ça aurait été un peu l'épisode de la loose, même si du coup la renommée a quand même pas mal augmenté. Ce qui est très très bien, je pense que là on est à 99, même si je suis pas sûr. Non, ok. Ce que j'aimerais aussi, c'est monter de niveau. Si je pouvais monter de niveau... Ah, ça fait 20 minutes. Casse-toi. Voilà. Hop. Arrête de hurler. Je suis vraiment très très nul.
C'est 51e épisode et je suis encore très nul au combat. C'est tout moi ça. Oh la vache. Genre quand je dis nul, c'est bien en plus hein. C'est pas genre comme si j'étais juste un peu nul. Non, c'est vraiment là, on dirait que je le fais exprès. Voilà. Bon. C'est bon là? Il en reste encore. C'est bon. Deux morts encore. C'est bon. Ouais. Toc, des bandits de montagne. On va recruter les chasseurs de primes. C'est toujours bien. Je crois que j'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Oh, 579. Ah ouais, quand même. Allez, les soldats sont prêts à être promus. Toc. Ah oui, il y a pas mal de promotions. Mamelouk. Des mamelouks. Ok, on est bien. Et Borcha qu'il faudrait améliorer. Borcha. Ah oui, je l'avais monté ingénieur alors que pas forcément très utile. T'es très intelligent. Bah, tu vas continuer à être très intelligent. Voilà, comme ça c'est bien. Donc, et ben on va arrêter là l'épisode, on va arrêter là l'épisode, je vais juste regarder 99, il manque plus beaucoup de renommée et puis on aura les 100. Et une fois qu'on aura le maximum qui est à 100, et ben on recrutera à mort et on aura réussi. J'espère qu'on arrivera à le faire dans le prochain épisode. Quant à moi, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde !